Bonjour à tous les amis, c'est Nelly Gaming. Aujourd'hui, assez spécial. En gros, comme vous voyez ici, ma valise est prête parce que je vais passer 5 jours en vacances. Je vais revenir en force sur SlowRunner parce que... Ouais, je suis présentement dans ma tente en train de relaxer et je vais bientôt aller faire une grosse sieste. Attends, je me lève avec énormément de force pendant 5 jours de congé de vacances. Yeah! Une petite gaffe, quand j'étais sur ma PlayStation, on va filmer comme ça, ben s'il mouille, c'est pas grave. Vu que j'ai voulu faire une vidéo avec le flingueur et une certaine personne, si tu te reconnais, ben pas besoin de te spammer dans les commentaires, peu importe. Par accident, j'avais trop joué avec ma console, puis elle était trop chaude, fait qu'il fallait que je la laisse se reposer, puis elle voulait pas s'éteindre. Fait comme un con, ben j'ai retiré le fil. Hein? Comment je peux être con dans la vie? J'avais le goût de vous montrer mes 5 jours pendant mes vacances, fait que vous montrer quelques petits vlogs, quelques petites vidéos. Puis des... Je profite de mes vacances présentement à la roulotte, fait que c'est ça. Il mouille avec le tempérament de pluie, mais c'est pas grave. J'en profite et je m'amuse clairement. Je me suis fait un petit feu hier soir, fait que c'est ça. Puis en plus, ouais, c'est pas mal ça. Puis on s'est amusé à faire du 4 roues et tout, fait que c'est ça. Vu qu'il fait quand même tard. Alors là, présentement, j'essaie de m'allumer un feu, mais ça fait fucking de la boucane. Puis j'ai mis 3 planches de bois, c'est ça. Fait qu'un beau petit feu, il fait tard à soir. Il est présentement 8h, 9h environ. Fait que bientôt 10h. Fait que moi, je vais aller bientôt me coucher dans pas long. Fait que je vais faire une petite bref dans ma petite tente après. Puis après ça, on se retrouvera le jour. Le pire de tout ça, vous voyez pas, là, mais... Je n'aimerais pas ma flashlight, là, mais c'est parce que ça fait fucking la boucane. Moi, je le vois, mais pas vous. Ça, c'est de la braise, là, que vous voyez dans le fond du feu, là. C'est de la braise, de la roche. Non, mais tu sais, vous voyez rien. Tu sais, vous voyez, là, vous voyez bien la boucane. C'est ça que ça fait, là, un foyer. Tu sais, on va se dire, ah oh, ouais, Nelly, tu es capable d'allumer un feu, mais tu vois, il y a des brindilles juste à côté, puis c'est hyper brûlant, ça. En fait, c'est juste mouillé. On le crisse dans le feu, on prend les brindilles, on les met là-dedans. Voilà, on prend ça, on le met là-dedans. Et on va s'essuyer les mains comme ça. C'est rough. Les mains noires. C'est dégueu. Ça y est, je suis dans le moment où je m'en vais me coucher tranquillement, pas vite. Là, je suis dans ma magnifique table de chevet, assez magnifique, avec mes fils et tout. Là, j'ai mouillé mon portefeuille. Mon portefeuille est tout mouillé. Avec mes cartes et tout. Fait qu'il faut que je les fasse sécher. Ah, c'est-tu merveilleux? C'est ça, la vie avec Nelly quand il est au camping. Ouais. Ça a l'air tellement agréable, mais on s'emmerde. C'est mieux que rien. Mais je passe des belles vacances pour l'instant. C'est ça. Fait que... Je m'en vais me coucher. On se retrouve le lendemain matin. Passez une bonne soirée. À demain matin. Depuis les 5 jours que nous avons commencé. Pour cette deuxième journée assez plutôt agréable avec Noé, ben, je vais monter quelques petites vidéos avec iMovie et tout. Je suis toujours dans ma tente, fait que là, il mouille à plein cieux, mais c'est pas grave. Bon, je relaxe, puis je prends ça relax. J'ai regardé un film, oui, je peux pas vous le montrer parce que j'étais avec ma famille, parce que je vous le montrais pas, parce que je... Troisième journée de vacances, fait qu'on va aller faire du kayak. Ouais, avec Noé, c'est ça. On va profiter du kayak. C'est de pendant 2 heures, on fait du kayak. Hey, c'est pas merveilleux, on fait du fucking kayak! Yeah, on a sauté dans un lac, on est allé voir une chute d'eau. Toute l'inquiète et tout ça. C'est ça, même si j'ai pas été la voir, il y a ma soeur qui me regarde, je parle dans le vide comme ça. Tu vois, mais la vie est belle. Fait que nous avons fait un bon trajet, là. On est rendu dans le coin ici, là. Puis là, tu sais, je suis là avec mon kayak et tout, fait que... J'étais en train de pagayer, mais là, je peux pas filmer en même temps vu que j'ai mon sel, fait que je vous fais une petite partie, là. Je suis où des uniformes. Vous voyez plein de petits uniformes, là. Hein? Une petite fleur juste là.
C'est ça, fait que je vais vous montrer un petit peu plus proche des nénuphars. Des nénuphars, voilà tout, des nénuphars. Des verdures, des arbres, des ci, des ça, des chétéreux, plein d'affaires. Et un arbre de mort. Dolly s'en va à l'aventure. On pagaille, je sais pas jusqu'à vers où, ben c'est ça. Yolo! Nelly est sur un kayak. Elle est en train de pédaguer avec un kayak. Elle n'est pas en train de jouer à ses jeux pour l'instant. Ben oui, Nelly Gaming, ou sous le surnom de Noilette Gaming, fait du kayak sur une marée douce, puis se dirige droit devant le gazon. Il va rester précis, mais c'est pas grave. Il va réussir à se déprendre avec ce magnifique Pam Aramé. Fait que j'ai juste une main avec un celle-là. C'est ça, Dooney fait du kayak. Ah, sur le surnom de Noilette Gaming que vous connaissez tous. Ha! 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 Peace. Dans les vergetures, ici, nous avons juste des herbes et tout. Fait que là, je me promène en kayak. Oui, bon, tu sais, la vie en kayak, c'est magnifique! Ouais. La vie en kayak sur YouTube avec Dooney. La vie, elle est magnifique. Magnifique. Fait que c'est ça, les petites capsules vidéo avec Nolly. Regardez dans le fond de là. Il est belle. Il y a des petits poissons dans le fond de là. C'est magnifique. C'est tranquille, c'est silence, et waouh, la vie avec Nolly au canot. On retourne chez nous, on va faire d'autres choses, fait que pour cette troisième journée en kayak, c'est pas mal agréable. Fait que ça m'a fait un plaisir de vous montrer les statues de mon kayak préféré, tu sais. Non, c'est pas vrai. En fait, ça m'a fait plaisir de montrer les verres d'eau et tout, fait que c'est parti, on rentre chez nous, fait qu'on a fait 2 heures de kayak. C'est ça. Ça y est, on est parti, on rame vers l'infini au-delà de la vie. Ça se peut que ça bouge un peu. Fait que faut que je continue de ramer. Je m'en vais, je sais pas trop. J'ai pas que il tombe. Mais c'est pas grave. On va filmer de même toute la randonnée. On rame sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. Je sais pas ce que je m'en vais, mais je m'en vais à quelque part dans le monde. Ta-na-na. Ta-na-na-na-na-na. C'est la chose la plus cool au monde, puis il vente un peu, on a des coups de vent. Mais c'est pas grave, mais la vie, elle est faite comme ça. C'est pas incroyable, je me parle tout seul. Pour l'instant, on va faire avec. Puis j'ai un petit bâton à selfie qui bouge d'un bord puis de l'autre parce que j'ai pas de tape sur moi pour le taper. T'sais. Mais c'est pas grave, on va faire avec! Hein? Il bouge d'un bord puis de l'autre. Là, je bacote les deux genoux pour tenir l'équilibre du bâton. Où je devrais le mettre entre les deux. Là, ça va aider. Ah ben là, là on part. Là on part. Là, ça fait jaser, tu sais. Tu sais, je cherche une solution pour placer mon sel d'une façon, mais tu sais, faut bien que je vous filme des affaires, pis tout. Montrer de ma vie. Non, mais tu sais, c'est tellement intéressant, là, mais qu'est-ce que tu racontes? On a hâte que tu sors des prochains jeux, là. Que tu continues tes épisodes, là. Ben oui, inquiétez-vous pas, ça l'arrive. Ça l'arrive dans 2, 3, 4 jours, je sais pas quand, mais il faut que je continue d'avancer les jeux. Ça se pourrait que j'en avance en direct sur Twitch. Mais pour l'instant, c'est ça. Là, je suis encore en train de ramer. Fait qu'on essaie de retourner à la maison, à la roulotte. Puis après ça, on va. Je sais pas trop quoi, mais un gros nid d'araignée. Waouh! C'est fucking pas beau. Fait qu'on. Un petit canard. Un petit canard qui recherche sa famille, mais qui s'est perdu en bout de ligne. Oh non, mais on dirait qu'il cherche vraiment sa famille. Plage, on va chanter sur le bord de la plage. Nous pagaillons sans arrêt.
Allons-en. Bon, ben, nous avons fait un tour de kayak. Là, on se promenait tranquillement. Vous pouvez vous regarder les berges dessus, voir un gars qui est en train de ramer comme un fou, mais qui galère énormément pour essayer de monter une pente que la rivière remonte. Fait que, on est presque arrivé. Pour cette vidéo de pagayage, de vacances, assez fun, avec le plus grand plaisir avec ma famille et tout, je me suis fait pas mal piqué par des moustiques. Mais c'est pas tant grave. C'est pas grave. De toute façon, on va faire tout guérir ça rendu à la maison. Fait que c'est ça depuis la troisième journée. Fait que demain, la quatrième journée, le plus grand plaisir. Fait que je vous laisse. On rame. Je parle en même temps avec vous. On rame sans arrêt. On est parti d'un ponton au début. C'est là qu'on arrive chez des personnes ou qui ont posé leur bateau en espérant qu'il n'y ait pas de plaque sur leur bateau. Il y a même des kayaks et tout, il y a des cochers. Mais c'est pas chez nous. Hein? Parce qu'on n'est pas dans la tente encore, pour l'instant. Fait que c'est ça pour cette troisième partie de la journée. Fait que on retourne à la maison. On va passer entre les petits rochers. Vous voyez pas ce que je fais, mais c'est ça. Parce que je me filme, je vous parle en même temps. Nous sommes présentement avec notre petite soeur juste à côté de nous. Salut! Fait que montage. Je fais du montage sur iMovie. Sinon, je me débrouillerais pas. On fait de gaille avec Megan. Puis mon sel arrête pas de branler. Ça m'énerve. J'ai pas le choix de faire ça de moi. J'ai pas d'autre solution. Chaque fois que je rame, je bouge d'un bord puis de l'autre. Oui. Hop, on avance droit devant. Ah, ça va trop vite, je suis mal placé. Là, je suis trop sur le bord, en une branche. On n'est pas encore arrivé, mais on est sur le bord. On est sur le bord d'arriver, les gens. Les gens, les enfants, tout le monde, tous ceux qui me connaissent dans la vie. Ta-la-la. Je parle le seul dans le vide. À chaque fois que je fais une vidéo, puis que je filme ma soeur pendant 1 minute et 48 secondes. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais d'un certain jeu qui est un jeu de zombies. Il y en a plusieurs jeux de zombies, mais il y en a un en particulier que c'est le deuxième. Faut que tu ailles chercher. Faut que tu sauves une petite fille. Puis le but de l'histoire de ce jeu-là, faut que
tu trouves la petite fille. Une fois que son père a trouvé la petite fille, ben, faut que son père puisse survivre à l'attaque des zombies. Puis, c'est comme un jeu d'histoire, mais à la fin, un peu triste parce qu'il y a plein de zombies qui viennent les tuer et tout. Hein? Ouais, c'est parce que je connais le jeu. Mais c'est justement pour ça que je voudrais bien l'acheter, puis le découvrir le deuxième, parce que j'ai jamais vu le deuxième, mais j'ai jamais eu le temps de finir le premier sur PS3, mais malheureusement, ma PS3, mon DVD est pété. Fait qu'il n'arrive pas à les lecteurs DVD. Puis il faudrait que je le change. Si vous connaissez un expert qui pourrait changer un lecteur CD de PS3, je serais très satisfait à savoir par votre intérêt du public. Puis... C'est pas normal de laisser au bout, la PS3. Ouais, mais dis pas maintenant. Faut que je trouve quelqu'un qui serait capable de changer un DVD puis en mettre un flambant neuf dans la PS3. Comme ça, on va être capable de pouvoir encore jouer avec pendant encore longtemps. C'est juste que j'ai un petit problème avec elle. On arrive sur le dessus d'un pont, le dessous d'un pont. Fait que, avec ma petite soeur et tout. Fait que, une fois qu'on est arrivé, on en retourne à la roulotte. Se chercher. Puis, on va se rebrosser les dents une troisième fois après. Non, mais je vous montrerai pas l'intérieur de la roulotte parce que c'est ma vie privée avec ma famille et tout. C'est ça. On fait une suite rendue dans la tente. Bon, juste avant que je vous laisse sur cette fin de vidéo, n'hésitez pas à laisser un bon pouce bleu parce que j'ai fait 5 jours pendant mes vacances. Pendant 5 jours, j'étais en vacances. Fait que c'est ça. En même temps, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire de voir qu'est-ce que t'en penses et tout. Et en même temps, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau. Et je me suis rasé la barbe. Oui, bon, les spoilers, non. Okay. Puis je vous souhaite une bonne journée et une bonne après-midi. C'était Nelly Gaming. Ciao!